le fils de Louis XI. Pour le livre, son œil est forte. Sur le balcon de fer du noir donjon de Loches, Monseigneur le dauphin Charles de France, en deuil, dominant la touraine immense d'un coup d'œil, écoute dans le soir mourir le son des cloches. L'enfant captif en vie, humble cœur sans orgueil, ceux qu'il voit revenir des champs, portant leurs pioches, et, flairant l'âcre odeur des potences trop proches, songe à l'archer d'Écosse immobile à son seuil. L'enfant prince a 12 ans et ne sait pas encore combien fiers sont les hélices du blason qui décore l'ogive sous laquelle il rêve, pâle et seul. Il ignore du noix, Xintra et l'Aï, mais la pucelle et son victorieux aïeul. Monseigneur le dauphin Charles ne sait pas lire.